Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à mon budget du mois de mars 2023. Avant toute chose, je tenais à m'excuser vraiment du manque de diversité dans mes vidéos ces derniers temps. Il faut dire que la dernière vidéo, c'était déjà une vidéo budget sur le mois de février du coup. Et vous le savez, depuis début 2023, je mets un point d'honneur à honorer cette échéance de vous faire mon récapitulatif de mon budget du mois passé. Donc je fais en sorte de me tenir à ces vidéos. Mais il faut dire que pour les autres vidéos qui demandent beaucoup plus de préparation, de recherche et d'écriture, eh bien j'ai beaucoup moins le temps. Et en mars surtout, j'ai eu beaucoup moins le temps étant donné que j'ai passé une bonne dizaine de jours hors de chez moi. J'ai eu pas mal de déplacements. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien j'ai un travail, j'ai des investissements, j'ai une vie perso et ça, ça doit forcément être priorisé par rapport à mes vidéos. Mais bonne nouvelle, c'est que en avril, je vais avoir un mois qui va être beaucoup plus calme, j'ai pas grand chose de prévu et du coup je vais pouvoir avoir un rythme de vie qui va être beaucoup plus régulier, beaucoup plus routinier et je vais donc pouvoir recommencer à vous faire pas mal de vidéos sur des sujets bien différents. Donc sachez déjà que j'ai prévu de vous faire un vlog, une vidéo sur la bourse, une vidéo sur la fiscalité immobilière et bien sûr la fameuse vidéo dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo budget du coup sur la négociation salariale. Voilà, comme d'habitude j'essaye de varier les sujets, comme ça il y en a un peu pour tout le monde, donc les autres vidéos reviennent, ne vous en faites pas. Bref, pour passer au sujet principal de cette vidéo, vous l'avez vu, le mois dernier a été vraiment exceptionnel en termes de rentrée d'argent puisque j'ai touché une prime, ce qui m'a permis de beaucoup épargner et surtout de préparer des travaux qu'on allait faire à la maison. Autant le mois de mars ne sera clairement pas le meilleur mois de cette année en termes de gestion financière, étant donné que j'ai eu beaucoup de dépenses variables, j'ai pas mal craqué sur pas mal de choses, je dois vous l'avouer, et aussi j'ai pas mal de choses à vous dire en ce qui concerne l'épargne et les investissements, donc on y passe tout de suite. On commence donc avec les entrées de ce mois de mars. Mon conjoint m'a versé les 600 euros habituels pour partager les frais de la maison. Et côté salaire après prélèvement de l'impôt à la source, j'ai touché ce mois-ci 3 858 euros et 94 centimes. Ça y est, après deux mois qui ont été plutôt sympas côté rentrée d'argent parce que j'ai eu un demi-treizième mois et surtout j'ai eu ma prime sur objectif et activité, je retombe à mon salaire normal entre guillemets. Mais vous pouvez tout de même constater que, je vous l'ai dit, j'ai eu une augmentation de salaire de 3,5% sur mon brut. Maintenant, mon net, il est d'environ 175 euros de plus que ce que j'avais prévu. Donc, ces 175 euros, je ne sais pas trop encore ce que j'en fais. Pour l'instant, je ne vais pas forcément les budgétiser. Ou alors, c'est quelque chose que je vais adapter plus tard dans l'année. Mais c'est toujours ça de gagner. Quoi qu'il en soit, le total de mes entrées ce mois-ci s'élève à 4 458 euros et 94 centimes. On passe maintenant aux dépenses et pour ce qui est de la maison, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au mois précédent. On est toujours dans la même configuration. Ce mois-ci, les dépenses de la maison se sont élevées à 1 276 euros. Ensuite, pour ce qui est des déplacements et du travail, je suis relativement dans les clous dans pas mal de lignes. Donc le self, 76 euros, mon assurance voiture, 54 euros, mon emprunt pour ma voiture, 474 euros. En revanche, je dépasse un peu mon budget essence, 177 euros au lieu de 170, et j'ai une petite ligne dans autre à 80 euros. Et en fait, je vous ai dit, j'ai eu des déplacements ce mois-ci. J'ai eu un déplacement à Paris qui était professionnel pour mon travail, pour une formation pour mon travail, et j'ai eu un déplacement qui était semi-professionnel mais plutôt personnel parce que je suis allée à un séminaire sur la fiscalité organisé par Simon d'Aragon. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre sur Instagram, c'est quelqu'un qui est génial vraiment. Et du coup j'ai été à Lille par mes propres moyens et j'ai considéré que c'était relativement financé par YouTube. Mais voilà, dans ces deux types de déplacements, il y a certaines choses que j'ai compté en plus pour l'essence, notamment pour aller à Lille, j'y suis allée en voiture. Et les 80 euros, pour le coup, c'est toutes mes dépenses de taxi, parce que j'ai pris le taxi, et aussi j'ai eu pas mal de tickets de bus, tickets de métro, etc. Ce qui fait qu'au final, dans cette sous-catégorie, j'ai dépassé mon budget ce mois-ci d'environ 85 euros. Ensuite, en ce qui concerne mes abonnements, il n'y a toujours pas de changement, je suis toujours à 117,68€ par mois. Je sais qu'il y a 30 centimes qui se baladent quelque part dans mes comptes sur le montant de ma cotisation mensuelle pour ma carte de paiement. De base, c'est 11,90€ et je sais que je dois avoir une remise fidélité de 30 centimes. Mais bon, ça, c'est pas non plus la chose la plus importante dans mon budget.
En revanche, j'étais en train ces derniers temps de réfléchir à mon abonnement Aesthetic Center, donc mes 10 € par mois, et mon abonnement pour ma salle de sport, donc 37 €. Les deux combinés, ça fait 47 €. Je suis en train de me demander si je vais pas les arrêter. Parce que voilà, Aesthetic Center, j'y vais pas tant que ça. Et la salle de sport, pour tout vous dire, ça fait... Là, actuellement, ça fait 2 mois que j'y suis pas allée. Et comme j'ai plutôt cet objectif de semi-marathon, je me dis, plutôt que de me focaliser sur la salle, il vaut mieux que je me focalise à essayer de sortir autour de chez moi, courir, juste enfiler mes baskets et voilà, faire des kilomètres. Et du coup, quitte à reprendre un abonnement plus tard dans l'année, quand il recommencera à faire froid en novembre, ce sera toujours quasiment 50 € d'économiser par mois. Donc je pense que je vais faire ça très bientôt. Et nous arrivons donc à cette fameuse catégorie des variables qui, vous le savez, si vous commencez à être des habitués de mes vidéos budget, est vraiment ma bête noire dans mon budget. Clairement, c'est un peu la catégorie où j'essaye de faire les choses bien, mais j'ai tendance à faire un peu n'importe quoi, et je vous l'ai dit, ce mois-ci, j'ai fait n'importe quoi. J'ai respecté enfin, par contre, mon budget course de 200 €. J'ai dépensé ce mois-ci 195,49 € en course. Mais en même temps, c'est un peu triché étant donné que, je vous l'ai dit, j'ai été absente de chez moi une dizaine de jours. Donc si j'avais été chez moi tout ce mois-ci, je pense que j'aurais beaucoup plus dépensé à ce niveau. Et du coup, je vous en ai parlé, l'un de mes déplacements, c'était pour une formation à Paris pour mon travail. Donc c'était entièrement pris en charge par mon employeur, donc l'hôtel, le trajet, les repas à l'hôtel également. Mais au final, j'en ai profité d'une part pour rentrer plus tard, j'ai passé le week-end chez mon papa qui habite à Paris, et d'autre part pour voir des amis, des abonnés également. J'ai fait ma première rencontre abonnée du côté de Pigalle. J'ai envoyé un petit message sur Instagram, est-ce que quelqu'un veut me rejoindre, boire un verre et papoter investissement, et c'était vachement cool, donc si vous passez par là, coucou. Et forcément, du coup, j'ai fait du shopping à Paris, je me suis fait un peu plaisir et j'ai fait des sorties, des restos. Donc, le budget esthétique coiffeur de 120 €, là, on est sur des produits de beauté à 167 €. Me jugez pas, c'est ma vie. Niveau, je vais finir par la dernière ligne d'hiver, donc parking, shopping. J'ai eu un peu de shopping, j'ai acheté 2 robes notamment, 161 € au lieu de 64, mais généralement j'ai pas un budget shopping qui est hyper élevé, donc ça va s'équilibrer dans les mois qui viennent. De ce côté là, j'ai pas trop peur. Pour ce qui est du coup de loisirs, sorties, vacances, il y a des restos qui sont là dedans. J'ai invité mon papa au resto notamment, c'est tout à fait normal. Et également dans ces dépenses là, alors je pense que oui, environ la moitié de ces 553,88 € dépensés pour loisirs, sorties, vacances, c'est pour mes vacances de cet été. Et en fait, je suis en train avec mon conjoint de modifier notre planning de vacances. À la base, fin août, on était censé faire un festival aux Pays-Bas, qu'on aurait fait pour la 4e fois du coup, qui s'appelle Mysteryland. Et on a décidé cette année au final de ne pas y participer, donc j'ai mis mes billets sur Ticketswap en vente. Je vais récupérer de l'argent de ces billets le moment venu, quand j'aurai réussi à les revendre. Mais par contre, à la place, on a décidé d'aller à un concert de Martin Garrix. C'est le 20 août, il me semble, au festival Positive à Orange, au théâtre antique d'Orange. Et on y va avec un ami allemand. Et du coup, dans ces dépenses-là, j'ai payé nos 2 tickets à moi et à mon chéri pour la soirée, et le Airbnb pour nous 3, même si mon ami m'a remboursé des sous. Mais voilà, il y a cette dépense-là qui est venue s'ajouter, mais normalement ça va être compensé par le fait que je vais récupérer de l'argent de mes tickets, j'espère en tout cas. Niveau maison, je vous en ai parlé le mois dernier, on avait l'aérogommage de l'escalier qui, ça y est fini, donc 1200 €, c'était le reste que j'avais à payer là-dessus. Et pour ce qui est de la santé et des charges, j'ai dépensé ce mois-ci 211 €. Et pour le coup, j'ai une petite surprise, c'est qu'en fait, pendant qu'on a fait l'aérogommage, on a décidé de mettre nos chats en pension parce que c'était beaucoup plus simple niveau poussière, ménage, etc. de les mettre 3-4 jours en pension. Mais la personne qui est venue nous faire l'aérogommage, en fait, elle a eu des petits soucis de santé, ce qui fait qu'elle a commencé son chantier 4 jours après. Et au final, du coup, on a dû laisser nos chats beaucoup plus longtemps en pension que ce qu'on avait prévu. Donc au lieu d'avoir 100 € de dépenses, j'ai eu 200 € de dépenses.
En tout cas, le total de la catégorie variable ce mois-ci s'élève à 2489,64 €. Nous arrivons au final à un total de dépenses pour la catégorie des dépenses de 4745,23 €. 1500 € de plus que ce que j'avais prévu. Yes! Et d'ailleurs, ça me permet à nouveau d'appuyer mon propos en vous mettant en garde contre l'inflation du niveau de vie. Parce que moi, c'est quelque chose que je vis. C'est très compliqué maintenant, une fois qu'on s'est habitué à vivre dans un certain confort, de redescendre d'un niveau et de se priver, entre guillemets, des choses qui sont devenues habituelles pour nous. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai au final un très bon salaire qu'il faut pas que je fasse attention et que je me dise « Bon, de toute façon, j'ai les moyens, je fais ce que je veux avec mon argent et advienne que pourra. » Non. Au final, vous voyez que si je fais pas attention, eh bien, je pourrais mettre beaucoup moins d'argent de côté ou épargner beaucoup moins, investir beaucoup moins que des gens qui ont peut-être un budget beaucoup moins important, mais qui au final ont une gestion de compte qui est carrée. Et je termine mon budget du mois de mars, comme d'habitude, avec l'épargne et les investissements. Et je vous invite tout d'abord à regarder le total de cette catégorie qui est très proche de ce que j'avais budgétisé. Ce mois-ci, j'ai investi et épargné la somme de 1033,02 €. Mais lorsqu'on regarde un peu le détail, c'est là où je vous l'ai dit, les choses deviennent intéressantes. Au niveau de mon épargne, étant donné que le mois dernier, j'avais massivement économisé, ce mois-ci, je me suis permise de mettre beaucoup moins de côté que ce que j'avais prévu. 185 € au lieu de 500 €. Et pour ce qui est de mes investissements, alors j'ai toujours mes 500 € que je vire vers mon assurance vie Yomoni, j'ai toujours mes 50 € que je verse sur ma plateforme d'investissement dans le vin, et vous voyez quand même qu'il y a d'autres lignes qui ont évolué. Et notamment, j'ai versé ce mois-ci 200 € sur mon PEA. La raison est toute simple, et je vous avoue que j'ai été assez surprise, mais je suis descendue en négatif sur mon VEA et ça m'était jamais arrivé et je ne pensais pas que c'était possible. En fait, j'ai fait une transaction il n'y a pas très longtemps, j'ai dû acheter quelques actions Total pour tout vous dire, et j'ai reçu un mail quelques jours après qui me disait « Vous êtes en négatif de 86 centimes, veuillez régulariser ». Donc c'est pour ça que j'ai fait mon virement vers mon PEA, pour être en positif dans ma poche argent. L'argent que j'avais en excédent, je l'ai utilisé pour acheter quelques actions Acticor Biotech, qui est une entreprise dans laquelle j'avais investi il y a quelques temps maintenant, mais via des actions non cotées, qui a été introduite en bourse par la suite, et qui développe des médicaments injectables pour traiter les AVC en urgence, et qui apparemment aurait pour objectif de devenir la référence dans le traitement en urgence de l'AVC, et qui aurait plein d'avantages par rapport aux techniques conventionnelles. Après, c'est pas du tout un conseil d'investissement, je vous dis juste ce que j'ai fait, mais moi c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup et en laquelle je crois, donc j'ai acheté des actions chez eux. Vous voyez également que j'ai une ligne à moins 962 € en ce qui concerne le crowdlending, et ça c'est parce que j'ai retiré de l'argent des plateformes où j'investis. Je vous l'ai dit, j'ai fait une pause dans le crowdlending depuis quelques temps, le temps que la situation économique retrouve des couleurs, j'ai envie de vous dire, et plutôt que de laisser dormir mon argent sur les plateformes où il n'est pas investi, je préfère le récupérer pour compenser certaines dépenses variables, n'est-ce pas, mais également pour le mettre sur mon épargne, sur mon livret A, comme ça au moins ça travaille toujours un petit peu à 3%, mais c'est toujours ça. Et enfin, ma plus grosse ligne en ce qui concerne mes investissements ce mois-ci, c'est du côté des actions non cotées. J'ai 1060 € de dépensés, donc j'ai 1000 € investis et 60 € de frais, parce que j'ai acheté des actions non cotées de Payfit sur la plateforme Caption. Payfit, c'est une entreprise de RH globalement, qui propose différents types d'abonnements pour notamment les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais elle a aussi des solutions pour les plus grosses entreprises. C'est pour faire tout ce qui concerne fiches de paie, gestion RH, etc. Et c'est une entreprise qui a l'air de se développer pas mal et qui, moi, m'intéressait pour investir dedans. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste vous partager ce que je fais. Pour récapituler ce mois de mars 2023, nous avons donc côté entrée 4458,94 €, côté dépenses 4745,23 €, et côté épargne et investissement 1033,02 €, ce qui nous donne une balance mensuelle négative ce mois-ci de 1319,31 €. Au final, on est pas mal, vous le voyez, par rapport aux 1200 € de travaux, j'ai 120 € de
plus qui n'étaient pas vraiment prévus. Bon, j'ai triché un peu avec les retraits du crowdlending, mais vous voyez qu'au final, quand on commence à regarder le bilan de chaque mois, eh bien, mine de rien, ça commence à s'équilibrer. Et je pense d'ailleurs que le mois prochain, étant donné que je pense que ça va être assez calme côté budget, il va pas y avoir grand chose à dire, je vais m'atteler avec vous à commencer à améliorer un peu mon tableau de budget en commençant à faire des moyennes, des écarts types, etc. pour qu'on voit la variation de toutes mes lignes par rapport à ce que j'avais prévu. En tout cas, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce, vous abonner, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet et de nouvelles vidéos. Ciao !